Le président Jovenel Moïse, ainsi que le président Joseph Michel Martelly, l'ancien président Joseph Michel Martelly, eh bien, ils face à responsabilité yo, et face à la nation haïtienne. Alors, pour mon capitaine d'émission matin débat, m'a dit nous que dossier premier ministre, c'est pas pour demain matin. Dossier ratification premier ministre, c'est pas pour demain matin. Parce que ça va le printemps. Le premier ministre nommé, notaire Jean Rissien, il déposait pièce déjà donc devant le Sénat. Pas le grand commission qui va le monter, et pas le grand cap qui va le faire. Donc, sous chaque green pièce que notaire Jean-Henri Séant déposé devant le Sénat. Et ça, son délai minimum 8 jours pour travailler sa fête. Maintenant, l'air sorti devant le Sénat, Libéral fait dépôt pièce li devant Chambre des députés. Et là encore, Chambre des députés, général li devant et Chambre des députés. Donc là, nous partis là pour. C'est que qu'on est si les clés ou pas. Ou qu'on que c'est après la rentrée des classes que finalement Haïti a dit que les gagnants, donc il y a un nouveau premier ministre, il y a l'autre premier ministre. Le président Jovenel Moïse, après ce qui est passé dans le pays les 6, 7 et 8 juillet dernier, est arrivé dans la situation côté que il était obligé d'attendre. L'ancien président Joseph Michel Martelly. Parce que justement, ça qui passe dans le pays 6, 7, 8 juillet, eh bien, pouvoir était tombé. Et si pouvoir était tombé, ce n'est pas Jovenel Moïse qui a tombé comme président de la République. C'était la fin du règne tête calée. Madame, monsieur, dans le pays. Parce que des choukas là, nous voyons ce qui est passé. Bon côté des choukas là sorti. Il n'a pas pris un pile temps à l'équipe de tête calée pour être capable de refaire surface dans le pays sur le plan politique. Et il y a eu cette fameuse réunion dans la résidence privée du président de la République. Côté que le président Joseph Michel Martelly déplacé, Sophia Martelly déplacé, Grégory Marapol déplacé, Jacques-Guy Lafontaine déplacé. Il y allait la cage Jovenel Moïse comme président de la République. Après événement 6, 7, 8 juillet. Eh bien, elle dit que le dien s'est passé à là, lui inquiété yo, et qu'il faut quand même porter des correctifs. Et quand pile pression qui était faite du côté de l'équipe de Michel Martelly, sous équipe Jovenel Moïse là, pour que ce président Joseph Michel Martelly qui gagne contrôle situation, comme il y a un ancien président. Et quand pile reproche que le président Martelly lui-même, il était fait, et président Jovenel Moïse, en sa présence, il te reproche que il y a des gens que il te voyait par le président Jovenel Moïse et que le président Jovenel Moïse, pas non, mais des cartels de Mounzaïo, entre autres. Mais pas oublier, madame, monsieur. Président Jovenel Moïse, que nous sommes là, son monde qui est conséquent à lui-même. Pas jamais oublier. Dis-nous ça déjà. L'OUE nègre la sorti en dehors, même si nègre en dehors mieux. Il n'y a jamais quitté nèg la ville, nèg Port-au-Prince, marcher sous lui, ni monter sous lui n'importe qui gens. Surtout, s'il sortit en dehors, il vient dans la capitale, là, il chef. Donc le président Jovenel Moïse, c'est le président de la République d'Haïti. Pression faite sur Jovenel Moïse par l'équipe de Martelly. Ils ont imposé le président Jovenel Moïse, Jean-Henri Séant. Et bien, sans raison, l'MD dit ici en amont de débat, l'MD mettait quatre noms, premier ministre Trabio, sous table-là. L'MD arrivait sous nom, notaire Jean-Henri Séant. Nous te dit, pas seulement arrêter bon côté Martelly seulement, pas arrêter seulement, pas compter seulement sous quand Joseph Michel Martelly, il faut qu'il joue tout, donc, et dans quand président Jovenel Moïse là, parce que c'est Jovenel Moïse qui est donc le président de la République. Eh bien, ça qui passe. Jovenel Moïse prend pression dans le président Joseph Michel Martelly. Lui nommé premier ministre pour le président Joseph Michel Martelly. Président Jovenel Moïse nommé Jean-Henri Séant pour le président
Joseph Michel Martelly. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Mais pas un problème. Alors, mon gars, il a fait politique dans le pays. Mais nous, il est pour nous expliquer. L'on président finit sur son premier ministre. Est-ce que consultation n'a pas commencé? Le lendemain même de la nomination. Mon gars, il fait politique dans le pays. Que ce soit leader politique ou bien député sénateur. Pour ça, nous vivons déjà, pour ça, nous sommes déjà dans le pays. Est-ce que nous ne pouvons pas le président finit nommer premier ministre? Là? Est-ce que nous parlons que le lendemain de la nomination, de la désignation, ou bien le président commence à consulter moun, commence à faire réunion? Madame, monsieur, je dis en fait 9 jours depuis que notaire Jean-Henri Seigneur nomme premier ministre. Jusqu'à présent, pas une seule réunion. Le président Jovenel Moïse n'a pas fait une grande réunion. Bah, j'ai oublié ça. Les députés qui sont là. Surtout les députés. Les sénateurs qui sont là. Il y a 10 sénateurs qui parlent l'élection. Année prochaine. Tous députés parlent l'élection année prochaine. Et là, dans la question de ministre là, dans la question de ratification, si la question ça pas clair pour vous, par contre, qu'est-ce que vous avez passé? Donc, madame, monsieur. Donc, au niveau de l'Assemblée des députés. La passe dans le Sénat, oui. Le Sénat, un bloc qui fait monter là, sous le contrôle du président Joseph Michel Martelly. Un bloc ayant à sa tête René Célestin comme sénateur, également Gaston Delva comme sénateur. Il n'y a pas de problème dans le Sénat. Mais je dis si, il n'y a pas clair pour les députés, Jean-Henri Seigneur va passer. C'est ça, nous, clair sur lui. Ça fait nous-mêmes, capteurs d'émission Martin Débat. Si ratification il y en aura, eh bien, la prend le temps des discussions et des consultations et des négociations. Si négociations, discussions, consultations après un mois, on peut que c'est après un mois, Jean-Yves Saint connaît, donc s'il le premier ministre ou pas. Mais ne pas oublier, je vous dis, les députés qui sont là. Le président Joseph Michel Martelly a pris charge. Devant situation de fait ça, l'équipe de Joseph Michel Martelly a fait pression à Jovenel Moïse. Il a imposé Jovenel Moïse comme président de la République. Un premier ministre répondant au nom de notaire Jean-Henri Seyen. Eh bien, je dis à la madame, monsieur, c'est Michel Martelly qui a travaillé là pour notaire Jean-Henri Seyen. Parce que justement, tout pays a connu que c'est Michel Martelly qui nommé Jean-Henri Seyen premier ministre. Donc c'est premier ministre parle. Il est obligé de mettre l'école dehors. Il est obligé de faire tout ça qu'on est. Pour Jean-Henri Seyen passer. Parce que si notaire Jean-Henri Seyen va passer, eh bien elle apparaît très laide pour le président Joseph Michel Martelly. Maintenant, on nous garde pour nous. C'est l'homme qui dit nous que le président Jovenel Moïse ainsi que le président Joseph Michel Martelly, yo face à responsabilité yo face à cette nation. Parce que je dis un pays en situation très critique. Pays pas qu'attendre quoi. Et nous gagnons des défis majeurs là, donc madame, monsieur, qui sous table là pour cette fin d'année 2018. Donc je dis à ce président Jovenel Moïse avec le président Michel Martelly qui connaît ça a fait avec pays ça. Mais malheureusement, madame, monsieur, sur la question de la ratification du notaire Jean-Henri Seyen comme premier ministre nommé, il y a un désaccord, il y a une guerre froide, Gombaga qui n'a pas dit, entre le président Jovenel Moïse et le président Joseph Michel Martelly. Gombaga qui n'a pas dit là. Gombaga qui n'a pas dit, sous question de ratification, notaire Jean-Henri Seyen comme premier ministre nommé, comme il m'a dit. Li en bas, comme matin débat, nous même ici, nous disons que nous passons grâce. Eh bien, n'a pas analysé là avec vous matin. Hein. Parce que pas oublier. Même sous temps de Joseph Michel Martelly, c'est un ancien président. Même s'il a avec lui une partie du secteur économique qui c'est le bras financier, dans des machins. Même s'il a apporté le garant de la réélection de certains députés.
Mais n'oubliez pas, madame, monsieur, le président s'appelle Jovenel Moïse. Même si vous tendez Michel Martelly comme ancien président, il chute avec député PHTKO déjà, il chute avec député Bouclio déjà, même si majorité a, il y a 1000 dans majorité a, mais pas, j'ai oublié ça. Il y a un seul président en Haïti, et ce président s'appelle Jovenel Moïse. Et je dis à là, en de l'État, Joseph Michel Martelly pas qu'à garantir un rien à un député ou bon sénateur sans qu'elle pas gagné aval président de la République qui c'est Jovenel Moïse. Nous clair sur ça. Parce que qui est-ce qui cabaille? C'est Jovenel Moïse qui cabaille. Même Joseph Michel Martelly qui c'est président de la République. Même si c'est lui-même qui mettait Jovenel Moïse au pouvoir. Si le président Michel Martelly besoin ministère maintenant, c'est Jovenel Moïse qui vous balle. Comment bien, madame, monsieur? Donc voilà, donc. Tension froide, ça qui là, dans le moment où on a parlé là. Et entre deux équipes, il y en a veillé l'autre. L'équipe de Jovenel Moïse, je crois que bravo, parce que le président va dire, hein. L'équipe de Joseph Michel Martelly, il est très agressif, il est à cheval. Parce que faut Jean-Yves s'est passé. Mais pas oublier, le président s'appelle Jovenel Moïse. Même si Joseph Michel Martelly a besoin de 7 ministères, même s'il a besoin de 8 ministères, c'est le président de la République qui a bali 8 ministères. Ça. Donc je dis, le silence du président Jovenel Moïse fait peur à l'entourage de Jean-Henri Séan. Parce que les députés qui sont là, même si autant de députés Hippolyte Douk, qu'on quarantaine qui est déjà là, embarqué, mais pas oublier que dans la chambre des députés, il y a deux blocs. Gon bloc et les blocs Zoéke. Et puis gon bloc et les blocs 100%. Gon bloc et les 100%. One blood. Ok? Bloc Zoéke, hein? Yo même, yo été dans l'île président Jovenel Moïse. Mais bloc One blood là, yo été attaché à Garibodo. Yo nek sa yo, ou te voyo? Madame, monsieur. Dans la séance d'interpellation, Jacques-Guy Lafontaine. Et n'est-ce pas que la question, il y a pas l'élection. Madame, monsieur, comment est-ce que nous sommes là? Pas qu'il n'y a aucun monde qui a fait maintenant tête que je dis. Il faut éliminer le Parlement. Bon, mettez-nous dans place député, je dis. Mettez-nous dans place sénateur. Pas qu'on n'est pas qui n'a pas pouvoir, pas t'arrêter, mais qui pouvoir demain matin. Pas qu'on député là qui. En fonction qui patin mais tourner comme député demain matin. Et dans le cafoulier là, c'est le dernier cafoua. C'est là pour négocier l'élection. C'est là pour le connaître, c'est là pour tourner ou s'il pas tourner. Donc pas aucun nègre là comme député. Pas aucune femme là comme député. Pas aucun nègre là comme sénateur. Pas aucune femme là comme sénateur. Qui va le faire cadeau à Jean-Henri Séan. Qui va le faire cadeau tout à Joseph Michel Martelly. Qui va le faire cadeau au président Jovenel Moïse. Faut pas la clé. Et ici, nous avons nous avons démagogie nous-mêmes. Et que nous avons tout aujourd'hui qui dans le secteur privé, je dis pas fouer bouchon dans la question de ratification. Premier ministre Jean-Henri Séan. Vous avez ça? Si vous avez pris au fond bagaille, puis vous faites en bas en bas. Mais pas prendre position pour nous dire que c'est le Parlement qui a bloqué. Parce que vous avez même tout, comme membre du secteur privé. Il y a couru des Parlements, vous avez ça? Puis vous capable d'imposer des gens comme ministre. Pour le ministre lui-même, la crasse qu'est-ce que tu as. Faut nous clair sur lui. Faut nous clair sur lui. Ok? Donc, on chien, relon chien, on chatte, relon chatte. Là, on a matin débat, nous allons démagoger nous-mêmes. Ça fait que vendredi dernier, on te dit que, pas ou pas bois, Jean-Henri Séan doit mettre à la hauteur de sa responsabilité. Il faut négocier avec les parlementaires. Parce que c'est yo qui a fait passer, c'est yo qui a fait passer tout. Maintenant aussi, aujourd'hui, notaire Jean-Henri Séan, faut qu'il file le président Jovenel Moïse. Pas arrêter seulement la cage Joseph Michel Martelly.
C'est vrai que Michel Martelly s'est choisi comme notaire, comme premier ministre. Écoutez, je dis à qu'est-ce que président? C'est Jovenel Moïse, président pays. Et ça, je crois que Gabil nèg là. Gabil moun là que l'équipe de Martelly relé. Gabil moun là que l'équipe Martelly relé. Mais moun ça a parlé avec président Michel Martelly dans téléphone. Nous pas jamais, yo pas jamais déplacer vinn nos réunion avec Joseph Michel Martelly parce que moun ça yo. Il a prêté un coup de fil Jovenel Moïse parce que c'est lui le président. On a mes second politique qu'a fait là en dedans politique ratification. Ça fait me dire nous on a maté débat. OK, faut assurer nous connait ça va là. Et ben je dis à gon bataille là en dedans équipe HTK. Gon bataille entre l'équipe du président Jovenel Moïse et l'équipe du président Joseph Michel Martelly. Jovenel Moïse comme président le croisé droit lui parce que c'est pression qui a qui était faite sur lui pour nommer Jean Hyséen comme premier ministre. Il a été forcé de nommer Jean Hyséen comme premier ministre. Il n'y a pas l'il voulait. Jovenel Moïse pendant affaire Jean Hyséen. Jean Hyséen, c'est le choix de Joseph Michel Martelly, ancien président de la République. Mais pas oublier, c'est lui le président. C'est lui qui a porté le garant à député sénateur et même secteur économique dans tout. Qui, il y a même député sénateur qui parle pour voter. Donc pour. Notaire Jean-Henri Séan, madame, monsieur. Maintenant, parce que, il y a quand même une composition de sagesse, je dis. Je dis, parce qu'il y a un dépassement qui vous fait. Jean-Henri Séan, comme notaire, il doit agir, je dis, en tête frette. Il n'y a pas pour la marcher en côté député à gauche, à droite, grain par grain. Se affronter l'équipe de Jovenel Moïse. Il faut que le notaire Jean-Henri Séan lui assure lui joindre backup à 100%. Et pas dans bouche non. Président Jovenel Moïse. Parce que pas oublier, président Jovenel Moïse qui entend dit député, nous mettons voter Jean-Henri Séan, nous comptons ça député dit président. Et qui j'en la comment ça allez yo que t'en dit président Jovenel Moïse qui t'en dit depuis deux ans nous mettre voter Jean Hyséen et puis depuis deux gars président yo ri yo souri et puis quelqu'un qui dit ah non bouchons ça comment ça m'a pas nous mentir madame monsieur politique là sont belles jouettes et effectivement c'est coquin qui fait politique. C'est coquin qui fait politique dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas jamais un monde qui t'a imaginé aujourd'hui à là. Gagné. C'est polémique froide ça. Entre l'équipe de Martelly et l'équipe de Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse, clé sous question, c'est lui le président de la République. Et monsieur, clé sous ça. Maintenant, attendons voir. Mais ça pour noter maintenant, c'est que. Dans le dossier premier ministre, la ratification, ce n'est pas pour demain matin. OK? Dans le dossier premier ministre, la ratification, donc ce n'est pas pour demain matin. OK? Nous souhaitons que nous notions ça. Parce que la ratification, il va prendre le temps que la consultation doit prendre, négociation, discussion doit prendre. Que tout le monde mette d'accord. Donc sur le choix du notaire Jean-Henri Séan. Au niveau du Parlement. OK? Ça, c'est le premier point que nous avons dans l'émission de débat. Deuxième point, nous allons regarder ensemble. C'est toujours sous même question, Premier ministre. Là. Haïti, deux premiers ministres, quatre comptages officiels. Matin débat, les enjeux sont de taille. Bon. Et. Mbaba nous menti. Et pas de député qui a pris là. Ah oui. Torchelles family. Et déjà gagné. Il y a une cinquantaine de députés qui clair sur question. Ils ont clair sur question. Mais pas oublié. Il y a besoin de 61 députés. Jeudi, c'est lundi 13 août 2018. Je
Et semaine ça le déterminant. Et sous question majoritaire. Nous sommes depuis qu'il en a parlé de question majoritaire ça. Depuis le 27 juillet, nous avons parlé de question majoritaire ça. Dans l'émission Matin Débat, la salle en direct. Donc, depuis en s'affole. Et semaine ça déterminant. Devant plusieurs députés, en fait, député PHTK en particulier, président Jovenel Moïse, Liba Emoul. Mais il y a des qui dit, comment ba moi, est-ce que son mot comme ça? Donc, parce que là, il y a un gros politique qui a fait là. Madame, monsieur, c'est pas. Pour moi-même, en fait, le plus facile pour un président passer que un premier ministre passer. Le plus facile pour un président ici en Haïti que pour le premier ministre. Parce que le président est dans l'élection allé. Pour l'élection, et puis il a voté. Et puis il travaille. Et je dirais que tu dois comment nous y ou en élection fait campagne. Et comment est-ce que tu as salué Louko, nous salué tout auditoire mondial matin débat. Nous on est en pile qui a suivi l'émission. Nous allons regarder les questions au Parlement tout à l'heure. Et des paupières et Jean-Risseur. Ok? Le plus facile pour un président ici que pour le premier ministre. Parce que pour le président, c'est une élection allée, ou bien comme vous, ou faire campagne, ou un discours, vous votez ou bon. Si vous m'avez ou vous m'avez goumé, si vous voulez voler votre tour, dans le KIP. Ok, sans tabulation, ça on dit bata. Là déjà, vous dites, vous dites, vous ou dites déjà. Vous dites déjà. Mais pour le premier ministre, madame, monsieur, regardez. Mais pour le premier ministre dans le pays d'Haïti, vraiment, il faut politiquement solide. Vraiment, faut politiquement ou des alliés qui sûrs. Et votre ou est pas le fait pour débuter avec le sénateur levé, mais dans la déclaration politique générale là, c'est pas juste ça, non, votre la fête. Votre là, il fait depuis à terre. Faut qu'on assure que ou qu'on majorité avant même que le premier ministre lui-même l'aller donc devant député à sénateur. Même là encore. Même là, vous avez une garantie que la majorité a voté en faveur. Ou quand en pleine séance. Faut qu'on kembe ou tight. Faut qu'on kembe ou là. Pendant la séance, là, kembe neg ou là. Parce que nous sommes une stratégie Garibodo qui te prend téléphone tout neg. Pour neg pas prendre contact à l'autre monde. Parce que, bah, ou chavirer à n'importe quel moment. Donc, ou quand à n'importe quel moment pendant la séance, là, en pleine séance. Et puis, ouais, député dédoublé sous vous. Madame, monsieur, je tiens. Gros problème dans le pays, parce qu'il faut que nous gérer le problème ça. Et la constitution amendée encore une fois. Et gampil faille dans l'amendement ça. Et je dis, il y a un impératif que nous gagnons une révision constitutionnelle. Ou bien même une nouvelle constitution. On nous garde la nomination du premier ministre. Qui j'en sa fête selon constitution amendée. Je dis un par exemple, là-dedans, nous en présence de deux premiers ministres en fonction. On n'est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je dis un Haïti, gagner deux premiers ministres en fonction. Yon qui démissionnaire, yon qui nommé. Avec quatre cortèges officiels. Le cortège du président de la République. Le cortège de la première dame de la République. Le cortège du premier ministre démissionnaire et le cortège du premier ministre nommé. Et ça lié. Je dis, Jean-Henri Seyan, depuis non sorti dans arrêté dans moniteur, non sorti dans moniteur, il y a un moniteur dans le d'ailleurs, il a fait des beaux pièces, il y a un copie moniteur, ils sont employés de l'État, ils sont fonctionnaires de l'État. Et il y a pour jouir tout privilège qui est attaché à Porsa. À Primature. Eh bien, je dis en l'état bali sécurité. Ces frais d'installation à l'hôtel, c'est frais l'État. Je dis à nous, c'est 13 août 2018, madame, monsieur. 1er septembre, voir Jean-Henri, c'est un, il y a un premier chèque l'inamel. Pendant ce temps, il y a Jacques-Guy Lafontaine, le docteur Jacques-Guy Lafontaine, qui là, qui est démissionnaire. Eh bien, qui est, madame, monsieur, donc, la primature. Avec justement, même privilège. Donc, il faut qu'il y ait une loi sur question et affaire courante dans le pays. Nous avons des députés, des sénateurs parlent en pile de ça, mais pas jamais il y a un texte qui vote sur ça. Mais non seulement ça, tout.
Mais je dis, continue à demander à qui ça le dit. Non, donc, il y a ça qu'on fait, madame, monsieur. Selon le constitution de 1957, il était désigné pour un premier ministre. C'est des 5 étapes. Ok? Et puis, le Parlement, il ratifiait choix. Choix. Désignation. Ok? Il ratifiait désignation, il ratifiait choix. Ah. Ça, le dit ça. Une fois que le président finit choix, premier ministre avec président de Chamion, la Chambre des députés également le Sénat, qu'on y a, premier ministre, qui est pour aller devant le Parlement, hein? Ok? Avec pièce libre, il ratifiait choix, premier ministre. Donc, de fait, il a tout ratifié, tout. Donc, déclaration politique générale. Mais la constitution de 1987, amendée, je dis, il n'est pas dit désignation, il dit nomination. Parce qu'une fois que le premier ministre a fini nommé, il prend investiture, madame, monsieur. Tata doué, le premier ministre qui l'a encore, non, dans le pays. Ça fait tata doué, vous tirez quoi, lui? Aujourd'hui encore, la constitution va dire rien, non, sous question. Là, on dit la procédure recommence là. Parce qu'une fois que le premier ministre finit installé, il finit nommé, il rentre en fonction. Et que le Parlement, c'est sa déclaration, la déclaration de sa politique générale. Que le Parlement va ratifier. Ratifier. Mais le premier ministre, il est déjà nommé, il est déjà en fonction. Le premier ministre est déjà nommé, il est déjà en fonction. Parce qu'en aucun cas, le premier ministre n'est pas doué, tombé. Comprenez, oui, madame, monsieur. Eh bien, je dis à la, si vous regardez le texte là, eh bien, il portait à interprétation. Parce que ce texte-là, une fois comprendre tout que, et d'ailleurs, nous avons interprété ce texte-là, ils comprennent que, une fois que le Premier ministre a fini nommé, et bien là, il est dans le Parlement, dans la déclaration politique générale, il vient un vote de confiance donc, de la part des députés également des sénateurs, et que le Premier ministre a tout tombé tout. Il n'y a pas d'air de ça. Ok? Comme je dis, c'est une interprétation de texte-là. Député Barry, Jean-Marie Forestal, comment nous y est? Bienvenue dans l'émission de débat. Député Jean-Marie Forestal, comment nous y est? Eh bien, voilà. Là, je suppose que vous avez un point qu'on devrait faire passer sur la question et nomination, désignation au Premier ministre de l'Assemblée politique générale. Monsieur. Bonjour, Barry. Je salue la nation, parce que vous venez de son émission, que la nation a écouté. Je salue toute communauté haïtienne qui vit un peu partout à travers le monde. Parce que je connais l'émission, ça, c'est le monde qui écoute. Donc, nous avons des bagailles sur Radio Sala, dans ma tête d'État. Et dit, il faut que les gens essayent de bagailles dans la mer. Ou déclare sous ça. Alors, je ne sais pas si c'est le téléphone, ouais, mais on dit absolument mal là. C'est là, si on conduit, font parquer. On connaît. Très bien, ok. Ah, bon Dieu. Oula, on est là. Eh, bon, mettez parler. Ok. Alors, moi-même, ça me devait dire. Gagné, député Alfredo, qui est. Interprété mal, ça me dit. Donc, on rappelle, il y a ce qu'on appelle la cohérence d'idées. Ça me dit cohérence d'idées. Ces premières phrases-là, qui dit comment la dernière phrase-là finit. On rappelle, dit que nous allons analyser minutieusement pièce premier ministre. Très bien, nous déclarons ouais, déclare ça. Et me dit, fuck. Les vignes avec bagaille normal. Oui, où t'es dit ça? Bah, là, je me dis ça, ça me fait pas là. Tout le monde connaît Jean-Marie Forestal par la corruption, il connaît débité par la corruption, oui. Je connais débité par la corruption. Et là, il n'y a pas de bouteille. Pourquoi a fait rêve? Je connais débité de corruption. Faut que le peuple, je dis à connaître qui débité qu'a fait comme, qui fait comme. Faut qu'on connaît qui débité, qui. Rêter beaucoup de peuple là, qui débutait pas de peuple là. L'homme de l'Ifal Gébaïdame là, ça veut dire, moi, je suis un petit assaut avant le coup. Ou là, le coup. Mlamla, on ne met pas le député, on allez. Je suis un petit assaut avant. On va appeler docteur Jacques Guy Lafontaine, qui est passé comme premier ministre, le sage Jean-Marie Forestal, pour le coup dans la majorité là. Il passait avec tout
dette fiscale. Malgré déjà été dit, il doit chaque année, il va champer redevance fiscale. Où sont-ils dépassés? Eh bien, je l'ai aujourd'hui à nous dit, moi-même, pendant la majorité, l'MD dit, il faut toute pièce, lui, ok, toute sa constitution dit, exige pour mon premier ministre. Pour pièce yo correspond à sa constitution d'hier. Parce que moi, Jean-Marie Forestal, ça va le faire partie de la commission pour qu'il étudie pièce pour les ministres. Très bien. Donc, et mettre Jean-Richard. Ça qui est passé sous docteur Jacques Guilafontor, pendant que Jean-Marie Forestal qui a parlé là, pas la majorité, il va passer là. Ça me dit. Donc, où clair sous ça? Où clair? C'est ça que je dis. Mais, comme débit Alfredo, son est qui connaît l'argent vide. Ah bon? Soit débit Alfredo connaît Jean-Marie Forestal, par contre, vous l'avez fait. Je me nomme Jean-Marie Forestal dans l'été. Ah bon? Non, ça, débit ça, son attaque personnelle, lui. Jean-Marie Forestal m'a parlé. C'est Jean-Marie Forestal qui a parlé là. Il faut débit Alfredo répondre. Ouais. Faut. Débit Alfredo connaît, Jean-Marie Forestal sont intègres. En département. Et libre. Et même dans le temps d'APH, nous comprenons, nous pouvons vous témoigner. Nous pouvons vous témoigner. Mais dans le temps d'APH, vous êtes toujours connaît d'où, Jean-Marie Forestal n'entend pas soutenir un gouvernement de manière à aveugle. Ok, un groupe de 50 députés là qui gagne l'État est d'accord et sous principe et notaire Jean Rissien et vous pas fait partie de 50 députés ça, non? Bon, je suis ok. Même si vous n'avez pas les larmes, je me connais. Pourquoi je me connais? Mais Jean Rissien, pourquoi je me connais? Comment il faut installer ce n'est pas de paix, n'est pas de paix, j'ai aucun dia. On va rouler de bruit. Et ça, ça nous débattait tout le monde des finamis pour la même. Nous débattait tout le monde des fibres. On dit, si on compte le monde, ça va parler là. Jean-Marie Forestal là. On dit, l'homme saute dans le Parlement, l'homme entrer là, quand même, c'est après le jour, on va entrer dans le Parlement encore. On va faire une réunion chapelle, on va faire la quête avec tout le monde. Mettez tout le monde des filles. Ok, on est d'accord avec moi, je dis là, et député Jean-Marie Forestal, et nous avons deux premiers ministres en fonction, et on est d'accord avec moi. Bon, non, tu bagailles. Président Jovenel qui a fait Gagotaï. Parce que si président Jovenel te voulait mettre Jean-Luc en passé là, demain, tu pourrais passer ta prénom. Pourquoi il était en majorité dans la chambre de député là? Même si lui-même il contribue à craser la majorité, c'est lui qui sortait funéraille à PH. Il déclarait mobiliser mon bio. Et puis pour dire, bon, je vais payer une chance. Je vais entrer Jean-Rissé comme premier ministre. Et puis, je vais faire un mandat qui prend. Oui, mais jusqu'à présent, pourquoi tout le temps? Parce que Jean-Rissé, pourquoi aller devant les chambres députés? Ou d'accord? Attendez, ça me dit. Mais le président Jovenel choisit Jean-Rissé, et puis il prend distance. Lui. Il dit que c'est lui qui prend bâton pèlerin. Quand il y a Jean-Rissé, c'est lui qui prend. C'est lui qui peut nommer tête lui comme premier ministre. C'est pas le président Jovenel. Le président Jovenel montre nation qui parle Jean-Rissé. Et je vous dis aujourd'hui, je vais entendre Jean-Rissé comme ça. Faut Jean-Rissé dit, ça va faire vous des. J'en prends des pays, hein. Faut dire que ça l'a fait pour des pays. Ça l'a fait pour débattre mon adresse là. De bien, mais pas gagner mon nom. Non, mouton mol. On va le prendre bombard. C'est des zones retirées, oui, locaux. De bien. Pas gagner mouton. Président Jovenel était pour mettre mon nom en route, oui. Pour pénétrer en route, tout côté, oui. Je l'ai redit, hein. Mettons un défi locaux pour aller au mol, qu'on y a là. Pour sortir pour des pays pour aller au mol. Où est mis en passé? Non, ou de là pas bon du tout. Là, ça, moi fais un nom, et dernièrement fais un nom, et pas du tout. Pas gagne du tout. M'en fais l'autre équation. Sorti pour des pères, montez en tafolette. Comment est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Non, très difficile.
Eh ben, il faut dire, Jean-Marie Forestal, c'est moi qui m'a dit à ce que le président Jovenel respecte le monde. Il te dit qu'il va faire route contre toi. Oui, mais bon, mais là, écoutez, on va rentrer, dans la capitale là. On va dans la capitale là. Et là où tu viens là, on va pas la voir, Moulouko. La fois, je suis là, à vieux là. Et là où tu viens, on va dans la capitale là. Très bien. Et là, on a dit, c'est 4 km route, mettez tout le monde en défi pour venir garder. Je suis professeur de mathématiques. Je ne sais pas si je perds le sens de la mesure. Mais, demandez tout le monde, en quelle route là, garder combien de kilomètres route. Combien de kilomètres béton vous mettez sur non, pourquoi alors, député Jean-Marie Forestal, et je dis à qui député, vous êtes député qui est en opposition, qui est indépendant, mais qui est en bloc majoritaire. Donc, nous-mêmes, nous avons essayé de garder, comme après dit encore, APH, Jovenel Moïse, crasé APH. Donc, pas un bloc majoritaire encore. Ça crée des gros pas gagné à son gros. Et gagné, député. APH existait en deux sommes, non, parce qu'il était inscrit. Mais de fait, APH pas existé encore. Ok. Si APH existait, Jovenel Moïse, en vrai, des choix, en essayant, il t'a chita avec APH. Après, le fin de soir, j'ai un essayant, même si j'ai été fait pour Jacques Dilafontant, il t'a réuni avec nous pour dire, monsieur, gonflez moi avec nous, votez pour. Mais j'ai réussi. Je vous dis à fond, ouais, Jovenel Moïse, pas gagné Jacques et j'ai réussi à l'emposter. Il a fait pas l'emposter. Alors, c'est ça, c'est ça nous a parlé et tout à l'heure, en fait. C'est ça nous a essayé, tenté, analysé. Jovenel Moïse a connaît que moi-même, Jean-Marie Forestal, c'est l'école d'aller me battre à l'église. Bataille l'église, c'est l'école d'aller. Les mêmes, si tu as l'école tout, la ville, faut te connaître Jean-Marie Forestal. Il va être intelligent pour tout le monde, il va être pour toute la nation en otage. Je voulais vous dire, Jean-Louis Seyen, son militant politique qui est lié. Comme militant politique, il compte ça pour le faire s'il veut passer dans la chambre des députés. Il compte ça pour le faire s'il veut passer. Ça vous l'a fait, Jean-Marie, député Jean-Marie Forestal. Ça vous l'a fait. Il compte ça pour le faire. C'est ça l'a fait là. Où sont les bonnes informations là? Je suis bien content. Demain. Comme moi, le journaliste, ou bon, ou dit, il y a 52 députés qui peuvent aller voter. Alors, député Hippolyte, matin, était sur notre station de sol. Il était dit qu'il y a 50 députés et qu'il a. Et alors, député de PHTK. Donc, qu'il a même. Député Hippolyte, sont innocents. Député Hippolyte, qui te bloque la case d'amé, qui te joue la case et bloque la main. Sont innocents. Sont innocents, député Hippolyte. Donc, c'est menti le temps. Bon innocent. Député Hippolyte, pas de comprendre. Les bons blocs qu'on a PH quand même, ça vous est favel. Donc c'est menti le tabac, pas un 50 députés vrai. Bon, mais même m'a dégagé 48 députés. Pour député Hippolyte, 50 députés. Ah, ou même dégagé 48 députés, qui va dans logique Jean Rissean. Ah, non, pas dans logique Jean Rissean. Mais 48 députés, 14 Jean Rissean, d'abord, pour pièce lui répondre. Pour bail docteur Jacques Dilafont à Maman Saron. Ok. Est-ce que le pays est taxe dans le pays? Est-ce que Jean-Louis Seyon propre? Est-ce que Jean-Louis Seyon, toute sa constitution mondiale pour le Premier ministre, c'est tel, ça c'est pour les formes, faux. Est-ce que Jean-Louis Seyon a adressé le problème de la population? Population qu'on a dans le grand goût. Elle dit, ou bien 48 députés. Ou même beaucoup de départ avec Allié pour eux. 48 députés. Voilà, peuple à la misère. Alors, 48 députés qui prennent position vraiment? Qu'après tant de Jean-Louis Seyon? Nous pas dans l'opposition. Tenez ça, Mabdoula, bien. Non, 48 députés qui peuvent prendre position. 48 députés que nous dégagez, hein. 48 députés que nous dégagez, hein. C'est 48 députés, Captain Jean-Louis Seyon, pour garder, pour Jean-Louis Seyon, va venir dire. Oui, comme Jacques Dilafontant, c'est fait, hein. C'est pour Jean-Louis Seyon, venir dire nous. Là-bas, retirez dans la misère. Quand on passe pour retirer dans la misère. Quand on va jouer le corps, vous retirez dans la misère. Pour vous, Jean-Louis dit, peuple n'a pas gagné de l'eau pour le boire. Je vous le dis. Dans le pire monde qui a problème de l'eau. Pour vous, Jean-Louis dit, peuple n'a pas gagné l'électricité. Et si tu n'es pas contre le bout de la baille, quand il va y passer.
prie faire peuple là, j'en ai cité 24 sur 24, j'ai président dit là. C'est pour Jean-Luc dit, qui côté il va le passer pour l'école qu'a ouvrir là, pour le jeune petit parent, pour voir les petits de l'école. Mais ça, ça on sait pour merci, il va le faire quand même, c'est pour merci, il va le faire parce que. Là, Non! Non! Mais c'est ça, vous car qui peut poser là. Il pose un problème, c'est pas seulement dit, mais faut dire qu'on a besoin de comme là. Très bien. Il faut prendre un jab qui l'a faute encore. Eh ben, faut dire qu'on a besoin de comme là. Très bien. Faut dire qu'on a besoin de comme là. Et si il nous donne de manière claire qu'on n'a pas besoin de comme là, côté la passée pour résoudre le problème social, il est en guerre, masse votre noir. Deuxièmement, l'autre masse votre là, Petro-Caribéen, FSA-ICA, qui a dit Jovenel Moïse, ben là, ils ont chance pour faire lumière sur le Petro-Caribéen. Non, mais président Mandel Sarou, il dit qu'il faut le dégager lui avec le dossier Petro-Caribéen. Si Jean-ICA dit nous, la baille campé devant Jovenel Moïse, vous dites Jovenel Moïse, bon, mon chance, pour me résoudre le Petro-Caribéen, et puis ils veulent l'autre 50% de vote noir. Et puis tout le monde qui a voté. Et puis Jovenel après, il faut mauvais calcul. Ok, mon cher, et parce que nous faisons bon parler matin. Donc, information, c'est que il y a 48 députés qui ont même fait partie, qui clair au dia, donc le capitaine. Oula, nous vous pardonnez bien. Alors, ou en ordre sexus, c'est quoi, passez bien là. Alors, moi, je dis que nous faisons bon parler matin. Hein. Donc, vous confirmez que vous avez 48 députés qui ont même fait partie de groupe ça, qui ont même. Il y a peut-être tant de gens ici. La prétendue en essayant, mais pas pour faire la quête. Nous voyons faire la quête. Question barre, grand bougie qui est dans la ça finit. Il faut ça dire, ça finit. Oui, mais question qui ça? Nous disons question barre, les grands barreaux de la BS. Les grands bougies de la BS, ça finit. Il faut ça faire dans ça. Donc les grands barreaux de la BS, pas comme ça. Qu'on y a, faut APS. Repasser ça le dépasser. Et je voulais aujourd'hui, je me dis, comme légaliste, je ne vais pas dire que APH n'a pas existé, de droit il existait, c'est lui qui écrit. Mais je voulais aujourd'hui, nous frustrer, nous grogner, nous prendre au fil de nous, et nous pas permettre à ce que soit APH permette nous prendre directoire pour nous faire APH comportement politique qui en faveur de la population, soit que nous étions comme la PH. Comme je venais de sortir, finir la PH, et puis nous venions avoir un nouveau bloc de faveur. Oui, mais on va passer tout le président capable à la dernière minute, donc relez-nous. Il est trop tard. Trop tard dans un monde trop vieux. D'accord. Merci en pile. Trop tard dans un monde trop vieux. Merci en pile, député. Trop tard dans un monde trop vieux. Nous devons jouer le top temps. Pourquoi comprendre? Toujours l'étape, le comprendre, c'est Marie Fosse, le nom président de la Chambre des députés, c'est lui pour dire, c'est le premier secrétaire, c'est lui pour dire, qui président de chaque commission, mais je ne veux pas payer à vous. Là, c'est Haïti, là, c'est content. Ça va faire, pendant que Marie Fosse, dans le statut, ça. Mais ça, Bill, et depuis le Fayol de Boïs connaît, nous t'en supportons en collaboration pour le bien-être de la population. Mais depuis que j'ai cette café, je m'en fous de ça pour la dame. D'accord, merci en Bill. Je m'en fous de ça en population liée, il va dire la population. D'accord, merci en Bill. Bon, voilà. Et c'était donc député Jean-Marie Fouissal. Bon, et Josué Lexidor, ouais. Et justement, c'est un d'après. C'est un d'après. Appelle nous fait ce deal. Parce que, Jean-Rissé, là, il y a des bagailles pour le faire. Parce que depuis nomination, dans le discours Jovenel Moïse, nous t'es well. Parce que l'État dit, si vous ratifiez, ça veut dire que l'État pouvait clair que, eh ben, l'IPAT supportait choix en Jean-Rissé, même Jean-Rissé. T'es fait pour Jacques Guy Lafontaine, le Jacques Guy t'a parlé en bas, c'est Jovenel Moïse t'accompagne. C'est Jacques, il était dégagé et majorité. Et peut-être ça, les députés Alfredo te dit avant hier que c'est pour une majorité présidentielle. C'est une majorité présidentielle. Parce que groupe député ça qui t'a voté Jacques Guy Lafontaine, c'est même eux-mêmes qui t'a fait campagne à Jovenel Moïse, qui t'a dépensé code pour Jovenel Moïse. Donc, c'était plus une majorité présidentielle en lieu de place de une majorité gouvernementale qui t'a supporté les actions gouvernementales. Très bien, ok. Bon,
bon, jusqu'à qui bon, et président Jovenel Moïse capable qu'imbé silence li, jusqu'à qui bon, en tout cas ne pas qu'on est, mais je dis en là, pour ce temps député Jean-Marie Florestal, et vous t'avez suivi en fait et première analyse que nous avons fait sous question premier ministre là, et sous comprendre en fait si vous faites jugement pas, après que rien pour qu'on clair là, ok. Donc, rien pour qu'on clair là. Donc, rien pour qu'on clair. Donc, pour le notaire Jean-Henri Sire. Et, premier ministre nommé, Alfred de Beaupièce-Li, donc, dans le Sénat. Et puis, également, c'est que son bail est comme ça, non? C'est pas rien, ça, non? Parce que, la plus difficile pour premier ministre Jean-Henri Sire à passer au niveau de la Chambre des députés, qu'au niveau du Sénat. Du Sénat. Or, ça pour attendre, nous, c'est que, la passer dans le Sénat. La passer dans le Sénat. C'est-à-dire, il n'est pas tellement trop difficile donc, pour le notaire Jean-Hissien, donc au niveau du Sénat. Il aurait recevoir Ali, pour le vice-président qui était recevoir Ali, il promet que dans le jour qui vient là, la commission qui était mettre sous pied pour analyser pièces Jean-Henri Seyen, mais tout, il y a tant de tout, et pour lui voyer pièces cabinet ministériel là, pour lui-même, il est capable d'analyser avant de venir faire et déclaration politique générale dans le corps. Très bien, bon, et lieutenant Sénat, ça le dit même. Eh bien, il promet que, il dit, il est clair que, faut qu'il négocie, il connaît que le PAC. Parce que tu as posé la question sur la déclaration Garibodoa, et bien il dit c'est un politicien, un rassembleur, il n'était pas d'abord jamais mettre dans la tête les culs pour le passer dans le Parlement pour ne pas négocier à parti politique, à parlementaire, il est conscient que de nécessité pour lui ben, composer avec parlementaire parce que c'est eux-mêmes qui peuvent voter. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Et bon, on a posé peut-être nos questions. Et Jean dit là, c'est dans le Sénat. Alors, déposer pièce li en bas dans le Parlement, dans deux chambres. Mais c'est plus côté ligue plus chance là j'en ai regardé situation c'est dans le Sénat parce que nous connaissons un groupe 10 et groupe G7 là qui clair que mais il y a bail le choix à premier ministre là pour monter cabinet ministériel li, sans que yo pas imposer le nom pour venir faire partie de cabinet ça une manière pour capable faire travail yo puis bien pour capable contrôler et bien que nous connaît et c'est dit là c'est une mais respecter là c'est une autre bagage son autre bagage. OK, bon, son dossier à suivre donc même ce matin débat et jusqu'à présent donc le président Jovenel Moïse donc pour vraiment donc lancer une consultation donc pour la ratification du premier ministre nommé notaire Jean-Henri Sien donc en Bretagne et mais son dossier qui était ouvert madame monsieur donc dans émission matin débat. OK, dossier corruption, la République dominicaine donne le ton dans la Caraïbe. Hier, aux environs de 11h et midi 1h, Haïti était déjà à recevoir les premières images de la marche à Verde, madame, monsieur. Marche que presque 1 million Dominicains ont investi là-dedans pour te dire non, il faut que son corruption soit finie donc, en République dominicaine. N'a pas appelé que nous connaissons plusieurs officiels, députés, sénateurs, donc ils sont en prison, donc en République dominicaine, sous question de corruption. L'MTO a image, eh bien, premier sens de faire, c'est que nous avons pris un téléphone, nous avons des confrères là-bas, et nous avons des amis là-bas, et nous avons relé pour nous être capables de confirmer, donc, authenticité, donc, image ça y est, vidéo que nous avons. Donc hier vers midi 1h. Et bien, on a parlé qu'on était avec les journalistes qu'on fait nous qui là-bas. Ils ont confirmé qu'effectivement, donc tout ça tout nous est à ces alliés exactement. Alors, où qu'on a quitté et attiré l'attention, c'est que à plusieurs journalistes qu'on parle en République dominicaine, et bien, qu'il y a plusieurs là-dedans, et bien, qui ont dit que ils ont souhaité que, et ça qui fait là, mouvement, ça qui a fait République Dominicaine, non, je te souhaite que lui fait tout, donc pratiquement donc, en Haïti. Mais pas oublier, madame, monsieur, et toutes décisions qui vous apprennent en Haïti, sous question ça, pour t'agon marche, côté que t'agon million moun qui sorti dans la rue à n'importe où dans le pays d'Haïti, faut pas t'agon politique là-dedans. Nous voyons qu'il y a plusieurs tentatives qui ont été faites déjà dans ce sens-là. Initiative citoyenne. Et puis, comme politique la mêlée la donne. Et puis, ça gagne.
C'est une conscience qui vous prend bon côté tout secteur qui vous dit non à la corruption. Très bien. Mais une fois que gain politique la donne, il vient prendre une autre dimension, donc il pas bon. Très bien. Donc alors moun k'ap gade alors de grand pile et zanmim et justement et nous t'a fait commentaire tout hier matin, il a pas essayé voyer donc image donc ba équipe matin débat. Et puis on dit bon bah ça finalement il va arriver en Haïti. Finalement, il va arriver en Haïti. Eh bien, pas oublier madame monsieur. Depuis que politique dans bataille contre la corruption, pas bon menti. Pour d'arriver au match qui t'a gagné autant de monde qu'elle t'a gagné en République dominicaine. Il était fait au Brésil tout. Ah, il était fait au Brésil même tout. Quantité, presque même quantité. Et pour la rue pour te dénoncer corruption, et puis nous t'a eu résultat tout. Très bien. Gros autorité t'es en bas code. Très bien. En tout cas, nous allons parler avec diplomate Floréal qui en République dominicaine. Et comment nous y est Floréal? Nous sommes en forme, nous saluons tous les auditeurs avec auditrice matin débat. Alors nous ne pouvons pas répondre maintenant aux diplomates, parce que tous les diplomates ont droit de réserve. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, tout que nous avons une mission encore tout par rapport avec même des autres des députés à faire en Haïti, et ça ne va pas permettre que nous avons une mission. Mais de toute façon, tout ça gagne carré, ouais, que nous avons parlé tout sur question de corruption. D'ailleurs, nous connaissons un thème qui vient de géopolitique après la drogue et le terrorisme. Eh bien, corruption, c'est un thème, comme si je disais, un sujet qui a fait, et comme si c'était transversal. Mm-hmm. Alors, pour qui ça, comme si il y avait un sujet comme ça, c'est parce que nous connaissons que, et en plus, petit pays, c'est avec comme des prêts, comme si il a fonctionné. Si vous arrivez comme si autorité, ou bien comme si dirigeant, ou même seulement pour empocher de l'argent, ou bien pour faire de grandes, comme si investissements dans des projets de grande envergure, ou bien de structures, ça permet la population de bénéficier de tout ce qui est nous avons parlé sur lui. Mais en fait, nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas diplômé, nous n'avons pas occupé fonction officielle encore. Très bien, ok. Il y a où tu as suivi ça que tu as passé ce domaine-là, donc qui ça que tu as attiré l'attention le plus? Bon, j'aime commencer le début, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est un groupe, c'est population hein, ou bien un groupe citoyen qui connaît qu'il y a un sentiment d'appartenance, qui connaît qu'il y a un beau. Dans la société dominicaine, non, c'est-à-dire comme si dirigeants eux-mêmes, c'est pas capable de faire reprocher de corruption, c'est comme si eux-mêmes n'ont pas le droit de payer. C'est comme petit n'ont pas le droit de payer, si c'est pas vraiment vrai. Alors, comme nous avons parlé en fonction de société dominicaine, non, qui a reproché dirigeants des bagages que nous-mêmes, en tant qu'observateurs, nous ne pouvons pas directement, parce que nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas comment les bagages de vrai, nous ne pouvons pas dans la cuisine comme si l'administration était là. Mais de toute façon, ça nous-mêmes, nous avons gardé hier, là, c'est une marée humaine qui sortit des millions, qui passait de son Winston Churchill, de son pour aller arriver la Félia. C'était un bagage extraordinaire, et alors, c'est de temps à autre que groupe Mounsayo, ça a eu les matchs avec le DA, apprend, ça me t'a brûlé en pleurs. Alors, là, ouais, j'en ai voulu, pour être une mobilisation humaine pour ça, ça a toujours inquiété, ça a toujours bien à réfléchir, ça a toujours fait comme si autorité ou bien observateur, qui a suivi la guerre là, ça a toujours demandé, monsieur, corriger quand même. Pour corriger Kayo. Alors, on m'a parlé en fonction de société dominicaine qui dit qu'ils font constat de corruption. Ils ont même mobilisé pour que, et que, comme ça, vraiment, ils ont retourné à jeune, comme si l'État, et monde qui vient pour répondre aux questions devant la justice, pour répondre aux questions dans la justice, que le ministère du Travail fait, et que le ministère du Public fait travail, c'est ça qu'on a réclamé, en fin de compte, pour que, et société à lui-même, lui joigne justice par rapport avec, comme si, dépenses et autorités. Très bien. Ok, mais tout le monde ça, au côté de te sorti, est-ce que c'est dans la capitale là seulement, il sorti, ou bien est-ce qu'il sorti tout le côté en République dominicaine? Parce que, il est en pile? Bon, en fait, il est en pile, la capitale là lui-même, tout parce qu'on a dit, en fait, que j'ai même une avec Haïti, côté capitale là lui-même, on a 10 millions de mounioas. Il y a une quantité qui est considérable dans la capitale là, même comme si c'était presque 1 million d'après chiffres. Qui sortit que nous-mêmes nous ne pouvons pas le bail chiffre comme si officiel ou bien exact tout. Et ça fait que nous avons gagné un pile monde qui venait de tous horizons. Parce que qui ça gagne, ce n'est pas même avec la caille nous. Même les gens qui travaillent dans l'État, on ne dit pas qui travaillent dans le gouvernement, les gens qui travaillent dans l'État qui est présent tout par rapport avec ta cafette là. Parce que nous-mêmes, ils ont dit, à part de l'État, comme si l'État, les gens qui travaillent dans l'État, ils ont une vocation de bail service. Mais la caille nous, nous avons travaillé, c'est parce que c'est l'État qui a pour ça qu'a fait la canoë, qu'a pas parce que mon appel pour la confession, parce qu'elle pensait que c'était un peu provoqué. Mais il y a même tout.
toute la société, hein, comme qui est conscient de ça. Et puis, tout de là, il s'est dit, ouais, j'aime tout le monde de tout le monde à la croix, secteur privé, et société civile, monde qui travaille dans l'État, pas dit, monde qui travaille dans le gouvernement. Et ça fait que nous suffisons. Très bien. Vous comprenez? Et pour que nous comprenions comme si, qui décantation qui gagne entre employés, employés avec comme si travailleurs, américains et dominicains, pour que nous réalisions ça, que moi, j'aime bien regarder parce que moi, j'ai pris un nom blocus, je n'ai pas les noms bagages, je ne suis pas capable. J'ai obligé de faire plusieurs de ces utiliser plusieurs de ces qui comme si exact comme des cartes comme si vivait comme une bavardière. C'est vraiment c'est un marché comme si qui fait gagner en plus le monde, tout le monde n'a pas peur, c'est-à-dire que son bagarre fait sans violence, et puis il est capable de dégager conscience et que pour demander aux autorités dominicaines qui ont dirigé anti-freiner ou bien comme si ça a reproché à cause de carrière. Très bien. Est-ce que tu as une présence haïtienne ou tu as une présence haïtienne dans le marché? Non, pas une présence haïtienne d'ailleurs. Haïtien, on dit, j'ai des bagages, ça. Bon, d'ailleurs, nous-mêmes, nous, on sait qu'elle. J'ai des bagages depuis bas, il y a fait contre l'État, nous ne pouvons pas l'entrer là-dedans, nous toujours prêts à aller au parlement. On est d'ailleurs, c'est quoi, c'est ça qui est financier, Dominique, avec Haïtien, dans ce sens-là. Dominique, lui-même, il connaît conscient que le bon pays, mais nous-mêmes, nous pas même conscients que nous sommes monde. Nous toujours mettons notre tête, nous demandons que le monde, d'ailleurs, c'est des bagages, pas bagages, pas nous, bagages, l'État, pas bagages, pas. D'ailleurs, si nous n'avons pas monde qui n'a gouvernement actuel, là, on ne peut même parler de ça même. Au contraire, parce que c'est lui-même, on va attaquer. C'est que Dominique, lui-même, il ne peut pas se lier même pas parler, nous avons demandé ça qu'a fait là, lui-même, il concerné. La foule là, même, c'est ça, ou pas, mon noir, mon pas, d'ailleurs, c'est vrai. C'est bien. Très bien. Mais Florian, est-ce que tu as un officiel en fait qui est allé dans prison, député sénateur, il est toujours dans prison? Il y a un officiel, Dominique. Non, tu as un député sénateur que la police t'a impéglé et qui est un collimateur de la justice. Donc, est-ce que il est en prison ou pas en prison? Non, madame, j'ai information ça. Madame, j'ai information côté que tu as un sénateur Dominique qui est en prison pour ça m'a pas information. Mais il y a un Bautista qui est cité. Non, mais non, Bautista cité, mais non, okay. Non, alors c'est dans qui cadre. Chaque bagaille, il y a un cadre. Je sais ça que fait comme si pour capoter, il y a une précision pour auditeur avec auditrice ou bien la société haïtienne en soi. C'est ça qui différencie comme si les journaux ont trouvé l'information avec un monde qui connaît bagaille là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que t'es un sénateur, par exemple, un bagaille comme ça, d'ailleurs, son processus qui est lié, et que même sénateur Bautista, tout la justice, c'est classé dossier là, on ne peut pas dire qu'on a. Il y a bien un rebout qui est devenu fait, et côté que l'ambassade américaine est sortie des données. Mais bon, comme quand même là, quand il parle de tout, il y a des gens qui te disent que Haïti n'a pas déposé plainte contre. Et changer l'affaire qui l'a dit, Haïti n'a pas déposé plainte contre le sénateur Bautista. Bon, pour les façons, ça, c'est chargé d'affaires là, qu'on est. Comment le fait déjà le bien? Et c'est pas nous-mêmes tout qui information en dehors. Et pas, il y a des gens qui ont épinglé dans le cas où il est au débret. Il y a la canon qui était au Caribe, il y a même eu combat, il est au débret. Au débret, ça, c'est une construction et une série de œuvres d'État. Okay. Ou bien t'as capable de dire de grands travaux étatiques. Okay. Et que n'a pas trouvé qu'une surfacturation là-dedans. Il y a des sénateurs vraiment qui sont réglés, mais jusqu'à présent, c'est dossier qui a suivi. Il doit se faire comme si marche la pression tout pour que le dossier soit arrivé dans l'objectif. Très bien. Merci en pile, Florian. Merci en pile. Ok, merci. Alors, nous, on a profité tout pour nous dire que nous, c'est passé là, car nous, parce que, alors, José, bon, jeune garçon qui est passé dans l'émission là, car nous, pas tellement balle, tellement trop. Et là, vous ne pouvez pas l'économie, faut que l'État voit, j'ai gardé consulat Haïti, n'a pas là, on a, parce que madame, ça, qui là, elle a fait un pile de jeunes, d'ailleurs, ça méritait pour vous porter attention, faut porter comme si, le plus rapidement possible, porter une attention spéciale à consulat général d'Haïti, là, on a, parce qu'il y a trop d'irrégularités, il y a trop de jeunes, de la part de madame, ça, qui a fait des jeunes, ça, tout, faut que l'État ici, faut que l'État c'est pas campé pour demander l'État haïtien une explication sur le du jour de fonctionnement et comme comme si d'après rentré en de consulat un seul monde lui-même et qui nous qu'elle pas haïtienne pas américaine ni pas bagarre d'ailleurs ça a dérangé pour nous diplomate ou pas même ça haïtien à quelque part d'ailleurs c'est Marie le calestin qui dit mon cher le fait qu'il m'a révélé en moi pour production dans le monde de révoquer et ça se révoque ne pas révoquer mon diplomate n'importe comment je ne sais pas même ni faire révoquer et d'amener fait un pile des ordres en pile ça lui mérité en pile ou la fois d'année comme si n'a pas parlé ou intégrant pile marche pour que nous baillons marche par autour on écho en Haïti pour que le peuple haïtien connaît n'a pas été dit que tu es au seul monde pas qu'on y prend dans les douces américaines nier à n'importe qui ne va pas la passer la bonne histoire à l'aller je dis à bagarre l'arrivée et la pataquer moun la faire répression la faire oppression
la baie pression d'ailleurs moi-même moi étudier droit ici mon papier avoir dans diplomatie encore même j'ai droit pour m'étudier mais c'est droit côté m'étudier là ou bien côté mais bon la baie pression pour que moun yo fin retirer en mission la faire au peur à laisser ouais s'il va faire la police dominicaine faire pression sur yo. Malheureusement pour lui, ici son côté qui est gagné, il respect, il n'y a pas occupé, il n'y a pas fait ça que l'a cherché à faire. Alors on a demandé pour que le pour population, on a demandé à l'État ici, comme sous d'améliorer les terres, on a pris l'argent, on a dérobé l'argent de l'État ici. D'ailleurs, il y a un dossier machine, il faut qu'il y ait explication sur comment machine a fait la machine qui s'est fait en réparation, en service à donner après un mois, c'est même maison déclarée qu'elle est crasée, motel crasé. Alors ça, c'est pas un groupe de dévastation, c'est comme taxe contribuable de l'État haïtien qui permet l'État d'exister, qui permet le gouvernement de jouer un moyen pour payer et comme qui emploie lieu avec travail lieu. Alors, choc ça, qui lui-même tout, le gouvernement parle moto bien. Président prend, tant pis souple, ils ont attention spéciale avec le consulat parce que madame ça fait des autres, la belle image haïtienne du Dominique. Très bien, nous devons faire une émission sur ça, ok? Ok. Merci en pile. Bon. Et à Verde, donc c'était gros mouvement ça. Et bien hier qui mettait en pile dominicain dans la rue, Jésus, l'excellent. Ouais. Conscience la prend tout de côté. Bon, ah, malheureusement nous-mêmes n'a fait bac, n'a persisté dans la question corruption. Hein. Et exemple bail tout. Mm-hmm. Hein, nous au Brésil et nous comment ça y est. En République Dominicaine nous comment ça y est. Malheureusement nous-mêmes nous pouvons bail le temps à question bataille contre corruption, on a dit le nan bouche, mais rivé poser action, poser pion pour prouver vraiment vrai que nous voulons finir avec là, nous voulons éradiquer question bataille contre li dans le pays. Donc nous pouvons ouais geste qui montrer nous gain volonté pour nous faire l'œuvre. Yo marche contre la corruption en Haïti, li ta doit intéresser tout le monde quand même. Nous ouais, ça fait plusieurs fois là, de fonan, pas gain monde de conscience citoyenne pour comprendre, mais n'a demandé tout, est-ce que c'est pas parce que gagner des bagailles slogan qu'a lancé dans Massayo, est-ce que c'est des slogans pour combattre corruption vrai, ou bien des slogans contre une équipe, une personnalité? Donc c'est ça que vous faites. Donc c'est moun là sorti pour corruption, slogan doit aller contre corruption. Donc c'est pas abattre tel laisse ça politique quand il la donne, donc il pas marcher. Et puis moun qui a porté message là tout, madame, voilà. Il très important. Porter message là, il doit clair. Il très important. Donc moun qui a porté message là. En tout cas, bon, jusqu'à présent c'est garder nous-mêmes nous n'a garder ça qu'a fait d'ailleurs, et bien que Gavila ait souhaité que la lumière qui fête sous et dossier Petro Caribe, tout le monde a aimé que la lumière qui fête, mais pas oublier que nous avons justice, nous avons qui j'en ai déjà, et que ou ka ouais, nous avons pris plus d'années encore que ou pas jamais une lumière qui fête, madame, monsieur, donc sous et dossier Petro Caribe. Même si vous avez une marche qui fête, l'Iwe fête, République Dominicaine, il y a 1 million, il y a 2 millions de monde, et puis ici en Haïti, ou capable dans son marche pour la corruption, et puis même 50 monde débarquent, il n'y a pas fait sens. Okay, il pas fait sens. Mais qu'on y a là, c'est objectif là. L'on sorti. Pour sortir, c'est libre pour sortir. C'est clair. Des bouts de corruption. Des bouts de bain. Des bouts de bain. Pendant lutte contre corruption. Il n'y a pas marché.